Dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse, là, 7 juillet 2021, 7 juin 2024, ça fait président 35 mois depuis qu'il a assassiné Sanke. À nos jours-là, il n'y a pas de justice en tant que président. Je me demande, est-ce que Jovenel n'a pas de famille? Bon, qui t'entend nous connaît, selon une ordonnance qui est rendue par juge fédéral José Martinez, dans le dossier de l'amour président Jovenel Moïse, là, Martine Moïse, qui est madame président, lui va recevoir 5 305 $387 avec ton coupier pour Aro. Jovenel Moïse lui-même, bon côté parle, la recevoir une somme d'argent qui est différente parce qu'on connaît Jovenel, c'est petit déo qu'elle taille. Il pas petite madame mariée. Comme par là, il suppose je n'y a pas. Et gros cause qui a parlé là, restez là, on va nous plus avec précision. Dans le dossier, premier ministre Gary Conilan, qui est pour former gouvernement avec 13 ministres. Attendez bien, amis auditeurs et auditrices. Selon toute dernière information qui vient de moi, il a supposé former le gouvernement ça dans le week-end qui a fini là. Dans le week-end, quand la balle cuite, tout ministre prend place yo, et puis présente aux nations, les ministres. Et si vous entendez, il y a 5 ministères. Il y a Jumel, il y a Marassa. Quand il y a Kroll par l'école, vous comprenez, il y a Marassa. Ou ka wè, y a nan mon seul moun. Y a fait une entrée dans l'autre. Y a pas besoin pile ministre. Vous regardez la vidéo ça jusqu'à la fin. Baba nous plus avec précision. Et nous connaissons déjà, nous c'est Production 69. Je vous demande pour abonner, peser sous cloche notification. Retirer sous personnalisé sur toute plein de la vidéo. Pour pas rater. Nous toujours dit nous. Plateforme nan, li pa fait nouvelle. Mais nous même dans Production 69, c'est bail nous bail nouvelle sans retirer, sans mettre. Dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse là, Martine Moïse lui bail jeune un gros mago l'argent. Et l'argent ça, Martine Moïse bail jeune là, c'est après une ordonnance juge fédéral José Martinez côté que li gardé dossier de 6 individus qui te rend coupable dans le dossier assassinat Jovenel Moïse là et yon condamné qui ont versé 6,2 millions $ américains comme hein l'agence ça yo y a versé a. Selon ça m'a pli là dans journal Miami Herald, l'agent ça son l'agent nek sa yo qui te rend coupable dans dossier assassinat président, yo te mandé pour reverser 6,2 millions $ américains comme compensation. L'agent ça comme compensation avec Martine Moïse et puis Jovenel Moïse. Oh oh. Eh bien, l'agent ça, mais qui j'en parle séparé. Martine Moïse, adjoint parle. Jovenel Moïse, adjoint parle. Étant donné, c'est juge, juge Orkik, n'a dit, c'est l'ordonnance qui lui rendu à, c'est juge José Martinez. Il vient qu'on est Martine Moïse après ses voix. 5 305 $387 américains. Tandis que Jovenel Moïse, qui c'est premier petit, Jovenel Moïse, qui c'est petit de yon, la presse voit, beaucoup de parle, yon somme d'argent, qui c'est 885 386 $américains. Tout ça me dit là, me dit, Mouel dans le journal Miami Herald. L'agent ça, c'est l'agent 6 individus qui te rendent coupable dans l'assassinat Jovenel Moïse là. La.
et ont demandé pour te verser 6.2 millions de dollars américains comme compensation avec Martin Moïse. Martin Moïse belle femme là, hein? Comme yo tout et tout Maria là. Il y a balancé l'argent. Et ça oui. L'argent ça Martin Moïse pas joindre ni. Mba konnen c'est sous compte en banque y a voyé. Mba konnen ça recevoir le cash. Hein? L'autre de mzou compensation le mal faire recherche là. Li veut dire hein? Mais ça veut dire c'est un avantage que yo récompensé ou hein? Et ceci c'est en sorte dédommagement qui est lié hein? Et n'a yo cap utiliser gros mot français 6.2 millions de dollars américains ça c'est un dédommagement avec Martin Moïse avec Jovenel Moïse. Et gros français n'a utiliser gros mot anglais on va pour ne pas comprendre. Qui faut-il des temps pour négocier mettre dédommagement? Mais non, il y a utilisé gros mot. 6.2 millions de dollars, 6 individus qui te rendent coupable dans assassinat président Jovenel Moïse là. Il bail comme ça, 6.2 millions de dollars américains comme dédommagement avec Martin Moïse avec Jovenel Moïse. Kounya, est-ce que l'agence va parler en discussion? Qui j'en fait Martin Moïse une 5 305 387 dollars américains tandis que Jovenel Moïse même 1 million pas ka joine. Hein, est-ce que pas toujours en discussion? Est-ce que la famille Jovenel Moïse pas ka joine comme tout? Et là oui, voilà pour qu'on chire pit là. Pour qu'on goume, pour qu'on déblosaï. Martin Moïse. Oui, c'est madame mariée. Mais pas oublier Jovenel Moïse, t'es gen maman, t'es gen papa. Jovenel Moïse, t'es gen sœur, t'es gen frère. Oui, papa Jovenel Moïse ka mouri, li mouri. Maman pa la. Mais Jovenel gen frère, Jovenel gen sœur, li gen cousine, li gen tonton, li gen matante. Est-ce que Martin Moïse pral voye 1 million ba famille? Parce que Jovenel Moïse pas seulement pour Martin Moïse. Et là, oui, pral gon goumen pour l'argent. D'ailleurs, t'es gon goumen pour bien, mais kounya la l'argent ça là pas gagne de vous avez pété hein bon si tu pour Jovenel Moïse même il va jouer 1 million il joue 485,386 dollars américains tout ça me dit là bah vérité bon vérité en bas nous là dans Miami Herald me ça et dans Miami Herald qui sont journal qui passait des présentations. Femme ou bien Jovenel Moïse gen 35 mois. Il va gen 36 mois qui va faire 3 ans parce qu'on est chaque année gen 12 mois. L'on prend 2022 12 mois, 2023 12 mois encore, on gen sous 24 mois. Et ensuite, l'on prend 2024 pas encore fini. Mais l'on prend juillet 2021, juillet 2024, ça va être 12 mois encore. L'on prend 3 fois 12, la baye 36. Jovenel Moïse a été parti là pour 36 mois. Dans 36 mois qui est égal à 3 ans, depuis que nous avons assassiné le président Jovenel Moïse, si nous n'avons pas vu Jovenel Moïse, nous avons mouru. Depuis que Jovenel Moïse n'est pas là, et tout bagaille pas sous contrôle, n'a rétabli sécurité dans le pays. Élection a fait parce que c'est Jovenel Moïse qui problème pays. C'est ça. Négo t'a prôné. Négo t'a tué Jovenel Moïse à bouche. Mais Jovenel Moïse mourit. Pays a vu une pimale. Négo fait complot, craser prison. Tout prisonnier évadé. Yon libre. Nous vînons plus de territoire perdu. Mais c'est ça. Heureusement, Jean, lui parle. Il fait qu'on est dans l'occasion, trois l'année, assassinat président, mais qui s'est organisé. On a regardé la vidéo ça. Après ça, je vais tourner pour plus de détails, avec précision, sous question gouvernement, PM Gary Conil, côté libéral, nommé ou bien, toute munition placée pour former
gouvernement. On a regardé et puis tendé Rosemont Jean dans conférence pour la presse. Après pour nous venir sur nous voulons parler pour nous inviter la population, pour nous inviter les camarades qui sont dans quatre pays, les gens qui tout dit non, les gens qui font liberté, port de paix, les gens dans Jérémy, les gens Okaï, Okap qui ont participé dans la première commémoration, la deuxième commémoration, pour nous dire que nous connaissons très bien, nous-mêmes, nous ne sommes pas les boss, c'est nous qui avons fait sacrifice. Il faut sacrifice pour nous montrer le monde entier que nous étions attachés à vision idéale, objectif Jovenel Moïse Tap Mouria, que nous étions attachés à lui-même. Nous étions attachés 35 points vitaux. Nous disons grand goût, misère, parce que nous n'avons pas qu'être qui était autour de nous dans la bataille. Nous connaissons les ventes affamées dans la pointe d'oreille. Nous n'avons pas qu'à aller plus loin. Quand on est arrivé, c'est arrivé. Mais nous-mêmes, nous continuons pour nous. C'est point conférence ce matin. Hein? C'est un, bataille. Continuer à Kembe. Mais moi, Jovenel Moïse vivant, dans la bataille pour nous venir justice et préparation pour Jovenel. Deuxième point que nous mentionnons, nous avons besoin de mentionner, c'est demander, nous voulons ça. Nous demandons la presse pour ça. Nous demandons, s'il vous plaît, presse parler, presse écrite, presse télévisée. Nous avons 5 membres à Jambessa que la police séquestre, que la police kembe de façon arbitraire, de façon illégale. Pendant ce temps, Bessap a travaillé dans le nord avec la police, sans problème. Bessap a travaillé dans Okaï, dans le sud avec la police, sans difficulté. Bessap a travaillé avec la police, Tigouave, dans tout côté ouais. Tout côté gang n'a pas arrivé, Taïbanda. Vérité. C'est Bessap avec la police qui a travaillé. Dans le plateau central, Mibale, Baradé, etc. Bessap avec la police font alliance, ils travaillent conjointement. Étant donné dans l'ouest, c'est noyau gang armé, c'est noyau gang. Elle me dit gang, gang dans la police, gang dans le palais, parce que vous connaissez aujourd'hui à palais toutes les zones de nos doigts, la primatie zone de nos doigts, toutes zones de nos doigts, ça c'est parce que ils ont refusé Bessap en tant qu'agence nationale des aires protégées, qui a travaillé en étroite collaboration avec l'armée et la police pour rétablir la paix, pour sécurité tout dans le pays. Eh bien, étant donné monopole pour monopole là, pour mon gang armé, pour mon bandit, pour mon yo, c'est dans l'État haïtien. Or, l'État concentré dans l'Ouest, c'est ça qui explique à Jean-Bessap dans l'Ouest qu'il y a une difficulté non seulement pour fonctionner. Comment nous comprenons? Nous avons déploré l'assassinat de cet agent Bessap, qui méritait justice, qui méritait pour l'union faite. Criminel qui tue Bessap, il y a pas de banda. Bon, je me dis, bon Dieu merci, je suis un grand dirigeant, un bon dirigeant responsable en dehors institution Agence nationale des aires protégées. Il a pour permettre, je fais connaître que Bessap là sont institution républicaine, une institution l'État connaît. Bessap qui a des décrets qui rendent opérationnels, qui rendent vivants. Malheureusement, bon, en pile de gens dans l'institution Bessap là, c'est pour ma faire une régler. Pas de solidarité entre agents et agents qui permettent, je dis, nous avons une jeune femme qui sous combien de mois de prison, qui recevoir, par contre ça le fait, qui recevoir près de 17 cartouches dans la police, il n'est pas mort. Malgré ça, ils prennent, ils ferment la prison. Pourtant, ils pas qu'ils meurent à jamais ça, dans tout le monde. Ils pas qu'ils meurent à voler, ils pas qu'ils meurent à kidnapping. Il n'y a pas qu'il veuille faire des bagages qui ont la loi. C'est le crime que vous faites parce que vous voulez participer dans la bataille pour l'ordre, la sécurité, la paix publique capable d'établir. Voilà que tout média, tout pays a abandonné M. Damien en prison. C'est comme si vous étiez dans le kidnapping. C'est comme si vous étiez dans l'enlèvement. C'est comme si vous étiez dans le bagage qui passe. Alors que c'est le crime que M. Damien fait, c'est parce que vous avez une base qui trouvait dans le coffre, base là à travail dans sa protection environnement. Les bases ça, c'est une base de coffre, c'est une base la boule 12. Les nègres ont besoin de mettre gang armé la boule 12, ils ont besoin de faire, comment dire, les petits macaques. Elle prend la boule 12, ils ont mis à jamais sa vie. Parce que les petits macaques, pas d'accord pour mettre ça, pas d'accord pour la boule 12. La boule 12. Il n'y a pas qu'à prendre la boule 12 en otage.
dans la maison où Monsieur Bessapio là. Monsieur Bessapio, toi Canaan, c'est des anciens militaires. Militaires qui n'ont pas décidé ou bien ils n'ont pas parlé dans l'armée. Là. Et puis nous travaillons avec Pierre Simon Georges pour permettre que vous élargissiez ou institution te dise et une transformer en Bessap pour qu'on fasse pour capable plus large pour servir le pays. Si vous n'avez pas. Yo ba nou koua, koua fè nou malo. Américain ba nou koua, koua fè nou malo. Ça c'est chanté. Côté Rosemont Jean t'a chanté. Ba konnen dès que ça lui parler. Si Rosemont Jean ka chanté ça, Américain ba nou koua, koua fè nou malo. Yo ba nou koua, koua fè nou mal. Rosemont Jean gen ti ba nan mel. Vraiment vrai. Toute planification assassinat président Jovenel Moïse, c'est dans le pays États-Unis. Est-ce que c'est ça qui la cause? Rosemont Jean a chanté Yo ba nou koua, koua fè nou malo. Est-ce que nous écoutons Mia? Nous entendons de Rosemont Jean et nous entendons que ça a fait pour 3 ans assassinat président Jovenel Moïse. Bon, la partie droite, sans perdre de temps, dans le dossier. Premier ministre Garry Conille, quand il t'a supposé former gouvernement li avec 13 ministres. Selon toute dernière information de bonne source, dans week-end là, tout ministre en population et n'a connait officiellement. Garry fait connait lui-même, li pas dans question en pile ministre. Genèk kap jè plusieurs ministères. Et ceci, yon nèg qui pral ministre dans gouvernement là, li pas supposé faire partie de yon membre politique. Li pas supposé dans politique déjà. On nèg qui fraîche, on nèg qui nouveau. Et ceci, genèk se de nèg là c'est Garry kap nomé yo, genèk tout c'est conseil là kap nomé yo tout. Ça veut dire là il y a travail en équipe. Tendez bien? Et bien moi va nous causer là. Tendez non, gien des décisions là monsieur prend qui pas en faveur en pile nèg. C'est une raison tout dit Garry, faut le prudent parce que nèg pas le mettre profig en bas pied. Tendez non. Nouveau cabinet ministère après al gien 13 postes. Gien 5 ministères. Yo pral marasa. Ministère environnement pral de gadi li même avec agriculture gen l'autre ministère encore y a entré youn nan l'autre lundi a marasa ma konnen par exemple si même ka parler là Garry ka bam deux ministre de ka bam deux ministères alors parce que si on dit gen 5 ministères pral marasa puis devant il va détailler pour nous. D'après nous, pas gagner 3 ministres sans portfolio sécurité, élection et solidarité et décision ça te prend dans conseil présidentiel pour transition avec PM Garry Conille. C'est négocié. Ça veut dire là, des deux ministères là, nèg yo pral gérer, yo pa sou payroll. Ça veut dire là, nèg yo juste là pour gérer ministère, mais il va bay gaspiller comme on est cap gérer 3 ministères et l'argent on sait la payo. Et ça mal là, bay vinn gaspiller l'argent là et paye à tout malade son coûte mais n'a bay pays là, nous pas gè temps pour nous vinn jouer. Nous pral rapide. Et nous mettons l'accent sur ce qui est plus important. Yo. 13 postes ministères. Nous allons dire nous. Des ministres de l'agriculture. Des ministres de l'agriculture et avec environnement. Des ministères affaires étrangères. Des ministères de finances avec planification. Gen ministère éducation nationale
gen ministère commerce et du tourisme, gen ministère affaires sociales, gen ministère conditions féminines, même si il va grand essayer à mettre le quand même, gen ministère de l'intérieur, gen ministère et de la justice, ministère de la défense, ministère de la jeunesse et des sports et de l'action civique, gen ministère des travaux publics, le ministère santé publique, c'est 13 postes ministériaux, 13 et c'est ça, 13 ministères pour l'occuper, 13 postes ministères, n'a besoin 13 ministres. On a besoin pile. 13 ministres qui va occuper 13 postes ministères ça. C'est ça Gary Conil fait qu'on est. Qu'on y a là, selon sous nous, trois ministres, regardez, trois ministres, c'est que il va toucher. Ça veut dire là, next ça yo, dans mes espoir yo, il a vu faire quoi? Parce que pays a malade déjà, Gary Dillion, il va mettre pile neg, il va venir gaspiller l'argent. Son on maladie dans nous, n'a prend les soins pour nous bien gérer la maladie dans nous. Et bah je non mais gen l'équipe d'a quoi misé gen nèg là qui pensait oui il va bien passer tendez non oh pendant Gary Conil t'a font tourner hein non pour Mathia là Gary pour lui même là lui occupé lieu depuis dans réception elle t'a prend lettre ampliation depuis les sagas, qui contrôle la primati. Kounya là, nous connaissons Patrick Boivet, qui m'a remplacé, Michel Patrick Boivet. Mais Kounya là, Gary lui-même, l'a fini arrivé, organisé réunion ça, sans que les gens aient le pouvoir dans mail pour te prendre tout. Décision qui possible. Eh bien, Gary, à travers le gouvernement, il n'a pas formé là. Gary a fait salve en tant que premier ministre. En tant que premier ministre, il a fait salve, c'est le lien gouvernement. Et dans le week-end, là, tout le monde est presque écrit. Quand on a fait la ville, il a mis de l'eau. Depuis que l'eau est en chaud, là, il a fait un petit bout écrit. Hein? Pour là, on a attendu. Parce que, nous allons tout presser, nous allons voir si Gary a un résultat. Et nous avons besoin. Parce que le résultat, c'est lui qui est plus important. Malé, rendez-vous dans la prochaine émission pour nous faire un autre dossier. Papi Chanel, c'est pour l'audition sectionnelle. Rendez-vous là et puis abonnez. Pesez sous cloche notification. Retirez sous personnalisé et sous tout pour les nouvelles vidéos. Pour ne pas rater. Ok, bon. Et 1h23 minutes, et n'a pas salué tout internaute et tout fidèle auditeur et auditrice émission Matin Débat. Là, nous allons recevoir monsieur Johnny Clerget, vice-président comité national de plaidoyer des populations clés en Haïti et secrétaire général également de ORAM. Et puis Johnny Lafleur, président du Comité national de plaidoyer des populations clés en Haïti, président de l'association des jeunes contre la discrimination. Je connais d'annoncer cela. Hier, à l'émission Matin Débat, nous avons deux nouvelles rubriques que nous insérons dans la programmation Matin Débat. D'abord, une rubrique économique. Comme on a all de contrôle, une rubrique économique. Et hier, nous avons fait présentation et nous te présentons Isaac Désir. Cap là avec nous chaque mercredi, également vendredi, pour une rubrique économique, sans l'autre rubrique. Et probablement, donc, ça va le débattre comme thème. Et c'est pas ça que habituellement, vous entendez des économistes à parler, donc, dans la radio, également dans la télévision, donc, ici en Haïti. Et deuxième rubrique là, c'est zéro discrimination. Parce que Matin Débat, c'est émission PIA, c'est émission d'éducation, c'est émission de formation et d'information, parce que avec rubrique zéro discrimination, grand plus bagaille que nous allons apprendre justement qui vient là dans la société
et que nous pas connaît et que nous menons matin débat n'a pas occasion n'a permettre tout connaît ce qui a passé dans la société. Monsieur comment nous et Johnny Clagé, bienvenue à l'émission Matin Débat. Johnny Lafleur, bienvenue à l'émission Matin Débat. Moi content de recevoir nous aujourd'hui hein, donc dans l'émission Matin Débat dans cadre rubrique ça que nous fait et a peu dérapé et qui c'est zéro discrimination. Et à partir de jeudi, hein, ou bien c'est Johnny Lafleur qui l'a chaque jeudi, ou bien c'est Johnny Clergé qui l'a chaque jeudi avec un invité, ou bien Johnny Lafleur là, en fait que tout le monde connaît son nom, Zian Kapla avec un invité, ou bien c'est Johnny Clergé Kapla avec un invité, mais désormais, donc c'est Monsieur Sor que nous chaque jeudi dans le cadre de Rubik Sa, c'est au cas présenté Rubik Sa, nous pourrons parler de questions qui ont rapport avec discrimination, stigmatisation en dans la société ça. Que nous pas connaissons, et que nous pensons que c'est nécessaire pour matin débat, te permettre que nous ouvrions fenêtre ça pour nous dire qu'on est. Monsieur, bienvenue, bienvenue à l'émission. Bienvenue à Louko, je vous remercie du fait que vous avez invité nous. Et je vous remercie et internautes et nous connaissons que la presse est le quatrième pouvoir. Ça veut dire nous participer dans le processus démocratique Haïti depuis 1986, là où vous avez libéré la parole. Encore une fois, nous très contents du fait que nous là. Très bien. Zian. Idem tout, merci Louko parce que nous là. Et merci le fait que m'a accompagné le vice-président et Clergé Johnny. Donc, encore une fois, merci. Zéro discrimination. Zéro stigmatisation. La discrimination est une action ou une décision qui a pour effet de traiter de manière négative une personne en raison, par exemple, de sa race, de son âge ou de sa déficience. De telles raisons sont des motifs de discrimination et sont protégés par la loi. Avant de rentrer dans la question de discrimination, présentez-nous qu'est-ce que nous est. Bon, moi c'est comme tu as dit, c'est Johnny Clergé. Moi c'est diplômé dans la faculté linguistique appliquée. Moi c'est secrétaire général ORA. Et ORA c'est une organisation qui combat contre la discrimination et la stigmatisation qui est basée sur orientation sexuelle avec identité de genre. Et moi c'est un haïtien conséquent qui croit que dans Haïti nous voulons pour nous, tout le monde doit là-dedans. Et ma fait suite avec Clergé, moi c'est, j'ai entendu tout à l'heure, la fleur Johnny Zian pour la communauté LGBT. Donc, moi, c'est président du comité plaidoyer national pour la Clé en Haïti qui regroupe 18 organisations. Maintenant, 19 organisations. On a 16 organisations LGBT là-dedans. On a une organisation TS et une organisation femme. Et moi, c'est président directeur d'une association qui est pour définition HCDS, Association des jeunes contre la discrimination et stigmatisation, qui est à 49 dans le dos ancien président Aristide là. Donc, c'est la nuit. Eh bien, OK. Monsieur, et alors, là, c'est Johnny Lafleur, Zian, et que tout le monde connaît son nom. Zian, pourquoi ça, Yolo Zian? Zian, c'est un nom que la communauté a dit, bon, moi, c'est parce que... L'on parlait de communauté, ça, très communauté important. Communauté LGBT, LGBT, très bien. Qui était bon, okay. Non, ça, c'est pas PVVIHO, parce okay. Que le problème, il y a plusieurs communautés, alors. OK. On parle de ça, tout. Très bien. Et moi, j'ai joué dans un film qui était les Simba, moi, j'ai les Zazu, j'étais très mince. Okay. Là, on commence à dire, ah, ça c'est Zian. Mais c'est pas là, non, on parle pas histoire ici. Okay. Jamel avec Yonel Chol. Il m'a mangé, il m'a fait un cadeau manger. Ya. Le fait que je fais un cadeau, il dit, c'est Zian. Il était plein de monde là. Il a tout collé, non, et puis ça pas te déranger. Il m'a quitté, non. Très bien. LGBT, salut. Bon, LGBT, si on sigle que yo prend, c'est parce que tout, là n'a parlé de communauté qui a subi discrimination qui basée sur orientation sexuelle à identité de genre. Okay. LGBT a son sigle là, c'est lesbienne, gay, trans et puis gay. LGBT c'est lesbienne, gay, bisexuel et puis trans. Dans TA il y a deux, gay trans, transgenre, gay transsexuel. Pas qu'on l'autre qui est comment cos ou bien que sous bien course whatever. Que après on a vite ajouté i intersexe et puis on a vite ajouté LGBTQ+ et puis a plus. OK, attendez. LGBT i j'ai que a plus. Bien LGBT i q a plus. I q a plus. I q a plus. Ça veut dire OK. Pour que ça i q a plus là. C'est parce que l'autre c'est communauté pour découvrir. Donc mais plus ça c'est parce que probable après mettre LGBT donc ouais grand pilote que on a découvert en paquet. Par exemple, il y a ces intersexes dans terme médical et ma faute. Okay. Mais
c'est un terme qui est lié avec discrimination, là, dit mon hermaphrodite, mais il y a un terme qui est moins discriminatoire qui est l'intersexe. Mais queer, là, c'est toute expression de genre. C'est queer, c'est queer. Queer, queer. Bizarre. Queer, c'est toute expression de genre qui parlait avec hétérosexualité. Ok. LGBTIQA. A plus. A, c'est asexuel. Ok. Des mouns qui pas gain attirant sexuel pour moi. Ok. Un plus là. Plus là, c'est toute expression. C'est toute expression, ça me donne là. Que yon pas qu'on découvrir que yon mette plus là. Qui là, même pas découvrir. Des bagay que société a, qu'on a tabou yon tombe. Ok. Surtout sociologue et psychologue yon commence à faire recherche. Ok. Et nous pense plus là, c'est pour. Ok. Ok. Donc là, nous c'est en communauté. Elle dit que LGBT sont en communauté. Oh oui, mais moi je fais partie de plusieurs communautés. De plusieurs communautés. Elle dit que en dans LGBT, il y a plusieurs autres communautés. Non, et pas ça me dit. Moi, l'aime dit me fait partie de plusieurs communautés. Moi c'est leader en dans CCM, moi c'est représentant national en dans CCM PVVIH. OK. Moi c'est président direct, moi c'est président comité plaidoyer national pour la clé. Donc moi même le comité VIH ou problème là-dedans, LGBT ou problème là-dedans, donc clair, j'ai fait partie de communauté LGBT seulement lui-même. Ah très bien. Donc les communautés ou problème m'a devant là-dedans. Ou devant là-dedans. Ouais. Ça y est. Pour ça ou même de monsieur là et moi là. Donc en gros ça c'est clair, j'ai ouais devant. Oui, clair, fait partie de LGBT. On a les communautés LGBT comment fonctionner. Bon, communauté LGBT comment nous y est, qui bon nous y est, comment nous vivre. Non, mais ça qui gagne qu'on gagne des stéréotypes. Moun yo toujours pensé que communauté LGBT c'est li en dehors de société. Ouais. Communauté LGBT c'est tout le monde qui fait partie de li, c'est haïtien haïtienne qui fait dans pays ya. Okay. Yo nan pays ya. Mais yo gon orientation sexuelle qui différent de hétérosexualité. Okay. Et yo subi discrimination pour ça dans l'école yo, dans l'église yo, dans l'hôpital yo. Et à cause yo subi discrimination, ça veut dire yo vinn partager par des idées. C'est-à-dire, l'on vient faire partie de la communauté, ça veut dire qu'on a subi même bagaille, nous venons s'assembler, rassembler. Okay. C'est ça où est la communauté, parce que nous subissons discrimination qui est liée avec orientation sexuelle, nous, avec identité. Est-ce que nous en pile dans le pays? Et nous avons dit oui, nous en pile. Allez, clair, allez, clair. Nous avons dit oui, nous en pile, parce que nous avons pile de monde qui était dans la closette, qui ne voulait pas parler de tête, et c'est un droit qui gagne. Et violation qui gagne, gagne comme un out, c'est le monde qui relevait l'homosexualité, l'orientation sexuelle, gagne outing, c'est des tierces personnes qui relevaient l'homosexualité en l'autre monde. Là, c'est violation de droit de monde. Le monde qui est mieux placé pour relever l'orientation sexuelle, c'est le monde. C'est ça qui fait une différence entre comme un out, c'est le monde qui est moins relevé l'orientation sexuellement, qui a outine, c'est des tierces personnes que moun n'a pas voulu qu'on ait qui rit. Pas qu'on fuck tout, non, pour yon moun fait comme un out, donc a toujours dans la communauté LGBT homosexuel, pas besoin fait comme un out, ou c'est ou juste leur prêt au fait. Parce que comme c'est clair, j'ai fait comme un out, les gon fuck qui dit on jeune LGBT doit faire comme un out, du tout. Vous comprenez? Mais il y a des moun en fait, il y a des foyers qui crasent, il y a des foyers qui crasent, garçons qui ont un foyer et puis. Lycée homosexuel et puis madame n'a pas jamais connu et puis c'est peut-être 20 ans 10 ans après que madame n'a pas connu que lycée homosexuel. Oui, moi une histoire comme ça, me connais pas rien, je me suis les parrain après 30 ans de mariage, il découvre après 30 ans de mariage, il gagne plusieurs petites avec madame là, il vient connaît que ces garçons aimaient après 30 ans de mariage, il gagne plus la madame né connaît que et puis après 30 ans, il rend compte que ces garçons que l'aimait. Donc tout le temps pendant 30 ans il pas fait acte sexuel là et pas acte sexuel à faire l'homosexuel donc homosexuel là c'est pas et pas le fait acte là homosexuel donc ou qu'a fait acte sexuel d'homosexuel pas homosexuel non on garçon qui a fait bagarre garçon j'ai nourri à ça soit pour tenir ça pour jean n'est pas masse pourtant des femmes sexuelles d'homosexuels par contre par un même si on homosexuel qui pas fait acte sexuel là pendant 30 ans il est en dedans l'a souffrir en dedans parce qu'elle connaît bien ces garçons de remet. On est homosexuel pour m'ajouter c'est parce que et pour parler d'orientation sexuelle à cause de discrimination. Ça veut dire à cause de discrimination, moun nan kon pè avoue ki moun. Attendez, une minute de clarté. Madame monsieur, c'est très important si on a parlé là. Parce que écoutez, nous kon pè yi côté que famille yo pa fè éducation sexuelle ti moun yo. Ah ouais. Là c'est pas comme si promotion qu'on a fait pour question LGBT ni pour question masse ma divine. Non non non. Nous n'a zéro discrimination. Là nous n'a zéro discrimination. Et puis nous n'a question sexualité. Parce que c'est une rare émission côté que parole ça yo a parlé est très important et si vous avez des questions nous pourrons permettre de poser questions ou bien vous des questions oui on a les clergés oui par rapport avec orientation c'est discrimination les gens sont discrimination
des fois il fait un choix autre que ça t'a aimé. OK. Par exemple, nous ca prend un petit monde. Un petit garçon depuis le petit, il dit bon c'est danse moi voulais apprendre. Mais du fait que on dit bon tout le monde qui fait partie, tout garçon qui danse c'est homosexuel, ça veut dire il pas danser. Ça veut dire tout le monde n'a campé sous rêve lui à cause de une stigmatisation, à cause de une discrimination. Et des fois si mon nan te ka vino grand danseur la représenter Haïti mais à cause de discrimination ka van grand couturier mais à cause de discrimination la subi yo di la mais ki jan garçon doyé faut aller prendre docteur et puis tout li vin tout on charlatan mais il te ka fon bon couturier non, bon danseur autre que sa société a dit qu'on va se parler de li avec les gestes même qui pousser nous à créer organisation yo créer paquet petit jeune cap chanteur bien on pas par exemple en période sont petit jeune dans zone là des chanteurs il habillé petit Nicolas celui mais puis au détuil pour pas grandir. C'est ça que tu as dit, monsieur, dans la Sissi, oui. Le Massissi. Depuis que ça, ou mettre monsieur commencer des tuiles là. Correct. Moun commence pas à aller consommer monsieur. Moun commence pas à laver. Pendant que on a décidé de faire un acte dans ton studio. Pendant ça, moun n'a pas aucun en y avec garçon venant. Le fait que il sorti jeune chanteur, il a chanté, il a pas bien tout ça. Ou qu'on est, il est là, il a 20, 24, 25 ans. Il est chanteur, bien lycée, rappeur. Il a pas bien tout ça 5 journées. Donc, il est levé dans la zone là. Il dit monsieur Massissi, et puis sortant de là, il va pas avancer encore. Et puis, il vient tout dans un politique. Ou après, graffiti, le monde besoin de ça. Le monde dit un tel Massissi. Massissi, évidemment, il vient jeter au propre un parcours politique. Correct. Monsieur, moi-même, moi, c'est un nègre naïve. Moi, levé son quartier et naïve. Et avenue des dates. Dans toute ville là, tout côté, en dehors, les UE ont Massissi, ils ont dit un tel métier. Est-ce que Massissi, c'est métier? Massissi pas un métier. Non, non, vin droit tu. Massissi son orientation, Massissi pas métier. Donc moi bien aimé ça Louko Dia parce que nous sommes en période nous était qu'on a dit comme ça que et ou ca Pétionville, yo mette clé dans doum. Pour jamais la dérouler là, si tu as clé dans doum, là pas la clé encore parce que Massissi pas métier, son orientation qui peut-être ou gain monde qui et pas peut-être non gain monde qui hétéro, gain monde qui homosexuel donc Massissi pas un métier. pas gagner de métier. c'est orientation, c'est ça qui est les discriminations qui marient avec stéréotypes. Les stéréotypes là c'est des idées préconçues que moun nan gen. Par exemple, on moun ka fon bagay, on après li tout mettel sur tout moun. Par exemple, youn nan exemple nou ka pran negokay. Je dis tout négocier, par exemple, on négocie café. Oui, sous des cabanes. Oui, sous des cabanes. Et puis je dis tout négocier sous des cabanes. C'est stéréotype ça que qui gagne, qui charrie avec communauté a. Et des fois pour un café, lui fait une déconstruction de éducation que mon. Qui pire discrimination que nous fait face à elle? Politique la pire. Ok. Si on bat, il y a qui pire pour nous. Na combat nous na mener c'est pour politique là. Ok. Dans tout sens. Par exemple, si par exemple, tu as dit KIPA, par exemple, KIPA a besoin d'une quantité de femmes, une quantité de travailleurs, donc on a besoin du mal pour t'as dit besoin de quantité LGBT. Donc, combat nous, c'est ça pour le moment là. C'est garder comment tu as fait pourcentage nous dans ces décisions que tu as prises dans la politique. Parce que nous là, et nous en pile, je te dis tout à l'heure, je ne pas poser dire nous 10 000, mais nous en pile. Ok. Et il y a plus monde qui en dans closette qui monde qui a ou. L'autre dit monde en dans closette, dit que il y a des monde qui plus monde qui a vie sexualité en dans caillou, pas les monde connaît yo. Soit yo parle avec sur internet, pas les monde connaît non que monde qui dit mais qui est sûr. Mais qui est sûr. Ouais. Donc c'est par rapport avec discrimination qui gagne et tout ça la famille. Donc Haïti aujourd'hui a là son pays qui chargé. Oui, non, nous d'accord sur ça et Louko. Nous d'accord sur ça que Haïti. L'autre point par département qui pour soutenir que lié. L'autre dit département nord, département la Cibou, département sud. Il y a département qui est plus haut, c'est même étant que président du comité de droit national qui regroupe 19 organisations. Nous avons une organisation qui est au CAI, UPSCDS. Nous avons une organisation qui est au CAP et étant que héritage. Nous avons CHAPS qui est naïve. Nous avons et grand la cour avec et Massa qui Jacmel. Okay. Donc, l'on a visité ou bien a regardé, nous avons une ville qui est plus monde et soit bon. Femme bien entendu moi dans le parole là tout. Gay ville c'est pas homosexuel, yo gagne, yo gagne des ça. Ah ça c'est homme et il y a des rapports sexuels avec d'autres hommes qui pas massissent. Non, par contre. Ah OK, moi l'explique. Non, voilà que ça la même. Moi l'explique. Tu vois ça? Mais la même. Yo massissent c'est en ça. Yo massissent c'est en ça. Mon commandant garçon qui a fait rapport avec le garçon il est bien massissent. Ah voilà. Yo massissent c'est en ça, yo en ça pas massissent. Moi le dis plus clair pour. Yo nèg ka gè rapport sexuel avec on nèg pas massissent soit pour un jean, soit pour un tennis, soit pour une machine, soit pour un visa. Les ça non, les ça sont en ça. Les pas jamais massissent. OK. On ne devient pas homosexuel, on est né homosexuel.
On est né Massissi. Oui. Ou pas qu'à venir Massissi, ou qu'à prostituer mal. Ou à venir à ça. Ok. Ou à venir au monde qui fait bagarre pour jean, tennis, maillot, visa, machine, caille. Mais on pas Massissi. Mon pape jamais Massissi. Ok. Ou là. Quoi de glace on fait là? Ça qui gagne, c'est jamais fait suite la veille là. Donc ça ne fait que. Non, pas. La monsieur Lafleur, je vais parler à la. Elle dit que son pays qui pourrit là. Non, non, le pas. Parce que tellement de misère. Non, écoutez, tellement de misère. Tellement de problèmes dans le pays, mon frère. La misère, c'est la misère. Je suis un peu comme les jeunes garçons qui ont fait et son communauté, il y a des gens qui ont juste. Par exemple, je suis homosexuel. Moi, homosexuel. Mais des 4-5 personnes, on n'est pas intéressé. Correct. Mais je comprends tout son communauté. Je suis homosexuel tout. Mais de toi mon tout et puis me fait l'avance. Donc okay. Parce que Jacques Léger dit tout à l'heure, on est au caï, t'es cimenté pied carbone, yo dit au caï. Le fait que homosexuel t'es fait un monde, il était avant pas dit que les homosexuels sont des personnes méchantes. Eh bien. Moi je comprends, pas qu'on s'est capé des familles, capé des monde dans zone yo, qui pas aucun rapport besoin avec yo. Donc son communauté, le fait que son communauté en dans communauté, il y a tout monde là-dedans, donc a toujours gagné style monde ça autour. Eh bien. Est-ce que vous comprenez? Eh bien. Il y a des masses qui sont dans la zone, pour la zone, il faut la caca et dire que tout le monde. Il y a des mettre tout doucement, tout le monde. Il n'y a pas besoin de discuter à personne, on est très sage. Eh bien. Donc, il y aurait sa communauté. Eh bien. Donc, elle dit que, est-ce qu'on n'a pas qu'être jeune là, je dis, qui a fait masses par nécessité, parce qu'elle fait un rabon? Non, et. Mais qui m'a masses, j'en dis là? Le débat, c'est. Il faut nous faire différence entre orientation sexuelle avec prostitution masculine. Ok, correct. Orientation sexuelle, c'est attirance émotionnelle, affective et sexuelle. Un garçon gagne pour un garçon, une fille gagne pour une fille. Ça, c'est orientation sexuelle. Ça, c'est orientation sexuelle. Elle dit un garçon qui a un garçon naturellement. Tout naturel. Même bien qu'une femme, un garçon qui a une fille. Une femme qui a une femme. Justement. Ça, c'est orientation sexuelle. Orientation sexuelle. Allez-y. Mais, il y a un terme médical que Léo Vini avec Katash là. Et il y a un H, c'est homosexualité. Yo di c'est homosexualité mais les moun yo a regardé yo wè gen des pratiques sexuelles qui dit que un garçon ka gen avec un autre garçon sans le pas et homosexuel oui ça dit pratique sexuelle là ka fait pour plusieurs raisons okay. Ou nan nan groupe moun sa yo sous manière scientifique yo rele moun sa yo des ansa des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes okay. Mais kounya qu'on veut accuser son chien, on l'accuse de rage. Mais moun yo nan mal intention yo, yo tout mette prostitution masculine là-dedans. Okay. Par exemple, on fille qui a besoin de job, li couche, mais ça va vle dire c'est ça qui remet. Okay. Remet, c'est un bagay qui fait de manière désintéressée, sans attachement. Eh bien, c'est notre sens ça. Elle dit le cas que... couche à moun juste pour job. Exactement. C'est ça qui fait nous faire décantation entre prostitution masculine. Et orientation sexuelle côté deux moun consentant et adulte répensant. Madame monsieur c'est gros causé qui a parlé dans matin débat. Est-ce qu'il y a une prostitution masculine en Haïti? Bien sûr. Oui. Bien sûr Zan. Bien sûr. Oui. Il y a une prostitution et très il y a une prostitution et très fort. Non parce très que fort. Non parce que écoutez dans la société haïtienne non. Bien sûr. Là on parle de prostitution nous sommes ouais. Femme. Mais ça m'a besoin d'arriver là. Je suis une femme. Non, qu'est-ce que tu as posé? Je suis là avant. Pour que ça m'a non, non, posé question. Non, non, non. Peut-être que okay. Avancez sur le microphone. Ou qu'il y a toujours Louko, on a parlé de l'IA ou pas qu'on est parti ça. Oui. Prostitution masculine est très haut de nos jours. Très haut? Très haut. Prostitution masculine est très haut de nos jours. En nous pouvons des femmes dans la table. Nous ne parlons pas de l'IA, nous ne parlons pas de prostitution, mesdames la Rio. Mais nous ne pouvons parler de. Prostitution qui gagne la caille monsieur. Sois-y là. Nous pèlons, nous avons raison, en fait, nous parlons de. Depuis parler de bousin, on seul bagay. Ou est-ce que c'est Fika Pétionville? Yeah. Prostitué qui est dans la rue. Donc ça dit que les garçons qui sont dans la rue tout? Ah bon. Bien sûr. Qui ça? Ah bien sûr, le coup. J'en ai parlé là, ça. Monsieur Lafleur, excusez-moi si je me l'ai dit, monsieur Lafleur. Bien sûr, bien sûr, bon, bien sûr. Pas de problème. Monsieur Lafleur, on allait. On cita ça pour population hein? Auditeur capitaine des matins des balas. Donc il y a une une prostitution masculine claire bien sûr, bien en Haïti actuellement. Oui. Mais comment ça exprimer comment lié? Lui même c'est un parti qui caché. Donc on pas comme c'est le fait que on femme besoin faire bagarre là car il est il a une agence c'est consorel. Non, c'est pas baou. Un garçon besoin faire bagarre avec un autre garçon tout. Sois-y là.
ouais, on fait nous comme pour elle partir. Donc Louko, le fait que moi-même travaille avec TSAK, ça intéressant, émission ça, madame monsieur, émission ça intéressant. Le fait que moi travaille avec TSAK, moi-même travaille TS mal et TS femelle la caille moi. Donc m'a éviter comme ça pour pas. OK, des travail sexuel. Nous il est au pied du jour parce que et mon santé comment il est travail social yo oui. Tellement des problèmes avec le TS donc nous relayons PS Kounia c'est des professionnels sexuels donc des garçons qui campent dans la rue tout bien sûr même oui. Avec mesdames oui mais le fait que moi je travaille avec yo yo des côtés donc moi gagne pas capable comme indice parce que la cam moi travaille avec PS moi travaille LGBT na PVVIH fort titan alors monsieur nous n'aime ce matin débat c'est apprendre que nous apprendre c'est connaître bon pays et c'est chercher n'a chercher comprendre pays elle dit on est là les carnic. En fait, on femme là, il a pris machine ni et puis il a débarqué Pétionville, même Jean on n'est qu'à passer Pétionville, lui en femme, femme a dit eps baby vini, il a pris femme là faire activité là avec lui. C'est même Jean ton femme capable débarquer Pétionville actuellement là, il prend nèg. Il prend nèg. Mais même Jean nèg qu'a déplacé sur la caille, tout le prend nèg tout Pétionville tout. Oui, même Jean oui. Même Jean prend femme tout. Même Jean nous dit que gon c'est femme meg et femme ça 50 dollars m'a balisé me prendre là, gen modèle nèg m'a pour Pétionville tout m'a dit mais qui ça existe actuellement là dans Pétionville. Justement loco. Loco formé puis sur terre, il me senti puis en l'air. Maman. Je ne sais pas si je suis alors, c'est intéressant ça, Abdila. Je ne sais pas si monsieur, je vais payer à la de nous. Parce que moi-même, je suis désiré comme journaliste, comme je dis, je suis un cadre. Et je suis très populaire. Et il y a plus de monde qui est mais je ne sais pas si ça. C'est vrai, ça fait un peu de temps. Mais il y a des prostitutions formelles. Okay. Que vous jouez dans la boîte de nuit. Okay. Mais la prostitution que vous avez fait là, que ça aurait le sexe transactionnel. Qui ça qui gagne? Sexe transactionnel. Qui ça le gagne? C'est parce que des gens, pour des réseaux X, yo bay faveur sexuelle pour qu'ils jouent dans la bagaille. Okay. Mais yo pas considéré tête yo tant que TS. Okay. Par exemple, on fait. TS, ka... travailleur sexuel. De, oui, mais nous, yeah PS de France, professionnel de sexe. Yeah ben. C'est parce que c'est des gens qui font métier. Mais il y a des gens qui ne pas considérer tête en tant que professionnel du sexe. Yeah ben. Par exemple, il y a des filles qui ont trois garçons, ils ne peuvent pas au téléphone, ils ne peuvent pas considérer le sexe. Ils ne pas considérer le informel, ils sont PS ou sont... Alors, on femme qui a trois garçons, ils ne peuvent pas au téléphone, ils ne peuvent pas au PS ou ils sont PS. Ou sont PS informel. Ils sont professionnels. Informel. Ils sont professionnels de sexe. Informel. Yeah. Informel. Oui. L'informel. L'informel, c'est le cabinet de la rue. L'important. L'informel, c'est le cabinet de la rue. Donc, l'informel, c'est le cabinet de la rue. Parce que ça, on a parlé là, monsieur. Oui, c'est madame, monsieur, c'est réel que on a parlé là. Elle dit, femme là, il y a un nèg qui vous paye téléphone, on a qui vous paye caille, y a un qui vous paye machine. Il connaît pas même mon PS. Yeah. Il connaît pas même mon PS. Ils sont PS que nous-mêmes dans la communauté à nous reconnaître. Mm-hmm. Okay? Ils sont professionnels de sexe. Le sexe informel. Oui. Donc l'informel, c'est là que le capitaine là où il y a, et puis nèg a chiqué le baron ça. Maman. Oui. Monsieur, et. Je nous ai dit, nous voulons sentir débat sur discrimination, pas oublier. Là, c'est zéro discrimination. Quoi. Nous avançons dans la sexualité qui est importante. L'important, c'est d'entrer dans la sexualité pour faire nous connaître quelques bagailles. Et oui. Je nous ai dit là, qui ça a discrimination y est, et qui communauté qui subit discrimination plus, pour qui ça, ouais. Et c'est qui ça. Est-ce que c'est parce que nous avons un public qui n'est pas trop formé sur quelques bagailles, qui fait discrimination arriver forme, et toucher mon LGBT plus, ou bien TS plus tout, non, personne, ou bien le compé VIH tout. Parce que pas oublier, nous avons un sujet qui est zéro discrimination, côté que qui est-ce qui subit discrimination? Albinos subil, handicapé subil, LGBT subil, TS subil. Donc, on voulait que dans le débat, Jacques-Léa, j'ai dit tout à l'heure, en absenté, pour nous focus sur la discrimination qui s'est fait, ça s'est fait. Nous avons discrimination, par exemple, avec provenance sociale. Okay. Par exemple, on moun qui dépose un CV. Dans le CV, il y a une cité soleil. Immédiatement, on n'a pas gardé les qualifications. Moun nan, il jette. Ça, c'est une forme de discrimination en raison de provenance sociale. Moun nan. Okay. Et il y a des discriminations qui lient avec expression capillaire. Moun nan. Par exemple, on a Dieu. Et puis, on a Dieu, il dit ouais, oui, il n'y a pas. Et puis, tout, c'est pas forcément ça. Ouais. Parce que discrimination, dans Haïti, nous voulons construire, il faut gagner tout le monde. Et j'en ai dit, là, dans le rôle, nous, c'est pour nous montrer, mais qui danger qui gagne. Parce que dans l'article 19 Constitution, il dit l'État a l'impérieuse obligation de garantir la vie de tout citoyen. C'est-à-dire que pour faire partie de cité, pour faire partie d'Haïti, l'État doit garantir. Et dans Haïti, nous voulons zéro discrimination pour tout le monde là-dedans. Parce que tout le monde a porté Pierre dans la reconstruction d'Haïti. Parce que Haïti, c'est pour nous,
gen moun ki pap kite l, gen moun ka prete la dan pou konstrui Haiti prete la. Gen moun ki jan wè sa y ap rete la. Monsieur, qui peut avoir un témoignage que nous capable de partager avec ah, moi, si je partage un témoignage, si je prends exactement moi-même, mm-hmm. et moi-même, songe en le. De discrimination. Dit, ah. Justement, je songe le mal d'être avant l'institution. Le moins arrivé, deuxième directeur technique, là, dit moi que, soit gagné, je dis que je travaille là, il prend le soin, il regarde, il dit que. Non, je ne vais pas travailler pour le monde. Non, laisse ça, vous êtes comme ça, vous êtes un Dieu de bain, comme ça. Vous êtes un petit Dieu de bain, pas comme ça. Ok. Et m'te ta coupe de là, il dit non, pas de travail pour. Il dit pas de travail pour moi. Il dit comment ça? Il dit non, et puis n'oublie pas Jésus Adventiste. Et puis institution ça, je dis à l'âme c'est joyeux pour lui. Ah bon? Institution ça, moi retourné après 2 ou 3 mois, je fais me présenter lui était voyer dans le projet qui est Pathfinder. Il présenter mon autre femme, moi quand on DS, c'est première fois mon DS sauté. C'est pour la première fois quand on DS sauté. Okay. Ma patrie dans un bureau en DS et m'a profité occasion pour me dire merci. Le fait que le débat me chance ça pour me venir moyen, c'est docteur Philogène Johan. Ok. C'est docteur Johan Philogène. Oui, mais avant docteur Philogène Johan, tu contre avec me dit comme on a place lui. Oui, c'est un garçon qui te dit que ouais. Les papes qui recevoir un paquet de travail pour okay. Mon et puis en plus qu'ils advertissent. Donc docteur Johan, donc accepté. 3 mois après, moi le contact docteur Johan Philogène. C'est pour la première fois que je contacte DS tout est. Pour la première fois. Docteur Johan. C'est la première fois que je me rencontre. Et donc, l'institution, ça, je dis, c'est joyeux pour lui. Nous travaillons avec LGBT dans l'institution, ça, Kounia. Nous travaillons avec TS Kounia. Nous travaillons avec un paquet de bagages dans l'institution, ça, côté que je subis discrimination. Et l'institution, ça, si tu as fait avec discrimination en dedans, il y a toujours le même moment. Ok. L'institution, ça, que moi, je me prends discrimination en dedans. Parce que une discrimination que je subis, c'est parce que je suis dans philo. Que normalement, je suis dans philo, je viens commencer à assumer, mais à afficher. Que je rencontre des bons amis, que je rencontre avec eux, je relève. Je dis que je ne parle pas de mon salaire. Okay. Et ça qui est prêt à faire 4 ans plus tard, c'est que moun ça va l'obliger à excuser parce que Kounia vin psychologue, li vin ouais de vérité. Je pense que discrimination subie. On discrimination qui a grand pile conséquence. Il y a des gens qui ont estime de soi, qui ont été fort, mais discrimination qui a conduit au suicide, qui a fait repli sur les gens, et les gens qui pas vu nos citoyens productifs, qui ont fait discrimination. Parce que les gens, ont tout le temps sous-estimé les gens, qui ont senti que ils pas productif. Et pour penser que discrimination, et par exemple pour les parents, ils ont discriminé les gens. Pour faire très attention, parce que l'op discriminé les gens, les gens qui ont pas productif. Et là ça wap di a c'est entourage ti moun nan mais c'est discrimination absolue. Yon nan phrase pour nous connaître les mots du pouvoir. Ça dit que des mots pas dit ti moun nan parce que l'autre dit li ou bay premièrement entourage environnement li zam pour yo discriminer le tout et puis ça fait baisser pour estime de soi. Et nous connaît que la famille c'est base société a, ça dit famille c'est un côté pour ti moun nan ta senti li bien. Ça veut dire si nan famille la discrimination